Salut internaute, j'ai cru voir que ma vidéo sur le carnet à calligraphie t'a plu. Alors aujourd'hui, je t'ouvre ma petite boîte à trésors du Japon. Ce sont des trouvailles que j'ai collectionnées un petit peu partout pendant le voyage. Certains m'ont été offerts comme cet extincteur miniature. Et d'autres ont une petite histoire comme ce Daruma vert, vous savez ce que c'est? C'est un petit personnage qui garde un œil sur toi pendant que tu es en train de concrétiser tes projets. D'habitude, ils sont plutôt rouges, comme celui-ci, qui a une petite clochette à l'intérieur. Ensuite, tu as une proche lama, parce que ma mascotte est un lama, et je les collectionne un tout petit peu. Ensuite, tu as deux cerfs japonais qui viennent de Miyajima, une île dans la baie d'Hiroshima. Là, c'est un fugu. Surmonté d'une tour, le fugu tu peux le trouver sous forme d'enseigne dans la ville de Osaka, de même que la tour. Un petit bouchon rigolo. La petite mascotte d'Osaka a un clown qui s'appelle Taro. Une bouteille qui vient de la ville de Kobe. L'emblème du temple Zozoji qui se situe juste à côté de la tour de Tokyo. Une petite clochette porte-bonheur qui vient du Meiji Jingu. Et enfin, la mairie de Tokyo en version kawaii. Elle est trop choupie. Et un shuriken du Shinobi Bar. Dans lequel on n'a pas lancé de shuriken, mais on a brandi des katanas et on s'est pris en photo, c'était bien fun. Alors parmi tous mes trésors, lequel aurais-tu ramené toi de ton voyage? C'est quoi ton préféré ?